Chocopop Studio, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réagir ensemble aux shorts Fortnite. Vous avez sûrement vu la partie 1 où je réagissais aux shorts Roblox. Et on en a vu des choses. On en a vu. C'est pour ça que vous m'avez réclamé la partie 2 sur Fortnite. Vous avez mis le nombre de pouces bleus demandé. Donc voilà. Pour cette vidéo, je veux voir objectif 12 500 pouces bleus pour une autre partie où je sais pas. On réagit à d'autres choses. Et c'est parti, mon kiki. Oh non, oula. Oula. J'ai rien dit. Olaf, t'as rien entendu. Tu n'as rien entendu. Pourquoi une musique triste comme ça? Regardez-moi ce Bambi. Eh hey, mon gars, et ça va? Je lui ai donné son premier top 1. C'est un truc trop mignon. Attendez. Avant qu'on regarde le premier short, on fait quoi, Choco? Vous savez ce qu'on fait? Olaf, Choco, balance la pub! Je vais manger ta carte. Coupe-moi ça en montage, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat & Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur CHOCO dans la boutique de Fortnite, C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Allez. Ah. Oh. Oh, il est vénère. Oh, j'ai peur. Eh mec, tu veux le top 1 ou pas? Désolé, la meuf elle est plus concentrée sur la musique de fond, frère, que sur le chat. Non mais attendez, il va vraiment lui faire son premier top 1? En vrai, il mérite, regardez, c'est un bandit originel. On va tenter de le boxer. Hop. Il va vraiment le faire. Hop. Non, c'est un bâtard. Regardez, il est juste là. C'est vraiment un troller. En vrai, les gars, je vais lui laisser le top 1, ok? Hop là, vas-y, viens dans la zone. Tiens, regarde. Vas-y. Mais donne-lui. Je donne mes armes, tiens. Prends tout, mon build. Ma couronne. Vas-y, le top 1 là. Non, me dis pas qu'il va mourir de chute. Non, wesh, Unchain, tu joues à quoi, frère? C'est une blague. Et en plus, je mets pause pile au moment où il va se casser la gueule. C'est quoi ce monde? Ah non, il a eu chaud. Allez, tue-moi! Eh, il m'a. Je suis trop juste trop bête, quoi. Let's go! Bon, je suis content pour lui, les gars. Plaisir. Bah! Finalement, c'était même pas un Bambi. Il a le démon. Non, vous avez rien entendu. Ça, c'est pas ma vraie voix. Je vous assure, c'est pas ma vraie voix. Bref. Les joueurs pro en 2017. Oh, ah ouais. Oh ouais, mais je suis trop fort. Eh, c'est Sway ça. Mais oui, c'est Sway. Oh ouais, waouh. Genre, il a mis deux trucs de construit. Hop là, ok. Ouais, je like. What the fuck. Et là, hop. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis fort. Je sais pas le faire. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous savez faire genre l'escalier et en haut, genre vous pouvez vous mettre des escaliers? Je suis la seule à être nulle! Dites-le moi dans les commentaires! Pro maintenant. Okay. Alors on va s'entraîner un peu. Ouais, impossible. Vous voyez pourquoi j'arrive plus à jouer à Fortnite Battle Royale? C'est que vous êtes trop fort et y'a tout le monde qui est trop chaud, frère. J'ai l'impression de perdre du niveau à chaque fois que je m'en vais sur le jeu. Je reviens 2 mois après, j'ai perdu mon level, je le reprends au fur et à mesure. Je vois tout le monde qui sait trop bien jouer, je le seum. T'es mort! Ouais, je suis une rageuse, y'a quoi maintenant? Chocolat rage. C'est plutôt simple ce jeu quand même. Mais du coup, ça va donner quoi les joueurs pro en 2050? J'ai juré, il a tout résumé. Fortnite dans la vraie vie. On va voir ça. Fortnite dans la vraie vie. Ok. On l'a fait en même temps, je vais péter un câble. J'ai fait la même tête que le même. En même temps, je vais serrer. Je veux un replay, s'il te plaît, Maëlys. Quel bail, wesh. J'arrive pas à y croire, j'ai vraiment fait la même tête en même temps. Bonne. Je crois que j'en ai... Oh mon dieu. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Mais je crois que j'en ai trop vu. Aujourd'hui, je vais vous montrer... Oh, montrer la recette de la potion Fortnite. On commence par les glaçons. Vous trollez, jurez maintenant, il y a la recette de la potion sur Fortnite et je l'ai jamais testée. J'espère que c'est bon. Si c'est bon, la tête est. Si c'est bon, si j'ai l'impression que c'est bon, j'ai juré maintenant. Je fais un short où je réalise la boisson. Ensuite, on rajoute un peu de Gatorade pour l'énergie. C'est quoi de la Gatorade? De la limonade pour les bubules. Bon, je rajoute des paillettes comestibles. Mais non! Pour le côté brillant. Mais non! On mixe le tout. C'est parti pour la potion. Waouh. Parfait. Arrêtez, ça a l'air d'être tellement smooth et tellement bon. Santé. Bon, par contre, la fin, on va dire que c'est un peu cringe, mais...
aujourd'hui. La teste, on dirait que ça a l'air d'être trop bon. Est-ce que je la teste en vrai de vrai? Dans les commentaires, ils disent que c'est bon ou pas? Ça a l'air dégueulasse. Ah, y'a que moi en fait qui a l'impression que ça a l'air d'être bon. Bon, après, c'est parce que moi j'aime énormément le sucre, vu mon pseudo choco. Je pense que vous l'avez remarqué. Le diabète qui vient très vite aussi. Épisode 2, grosse potion. À ce point, c'est même plus la recette de la potion, c'est la. Oh, la potion du diabète. Non, vous êtes grave. Non, dans les commentaires, c'est grave de l'avoir de l'inspi comme ça là. À quoi ressemblent les skins de Fortnite dans la vraie vie? Voyons voir. Je sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Bon, c'est long. Est-ce que je suis la seule quand c'est long, je swipe? C'est mon problème. N'oubliez pas les paroles où tu finis en. Mais attendez, mais les gars, ça date de quand ça? Moi, je sais, c'est Michou Inox, ça. Mais wesh! Mais attendez, mais hey, ce jeu, il est trop bien, putain! C'est vrai que ça date, ça! Désolé pour le grand mot, mais ça fait tellement de temps! Il a répété! J'ai trop envie de le faire! C'est quoi ce son? Ah, désolé, on s'est un petit peu éloigné du sujet de base. Mais de base, on était en train de réagir à des trucs Fortnite. Comment je me perds? Désolé, mais on se perd un peu trop. Ah! Pardon, désolé. Je voulais juste swiper. Désolé, je suis un peu trop expressive. Vous l'avez remarqué. Mais pourquoi il a fait ça? J'ai trop envie de faire ça un jour en fait. Et vas-y, troisième partie de vidéo, je me mets dans la bouche et on fait ça. Non mais on retape Shorts Fortnite, on va regarder des Shorts Fortnite. On n'est pas là pour regarder des voilà quoi. Le plus gros rat de Fortnite, Sweden. Non, c'est pas comme ça qu'on fait, regarde. Ah, t'as pas des balles un peu? Vas-y, j'en ai un peu, mais par contre t'es trop nul. Hein. Oh, si merde, tu rigoles. Ah. Vas-y, mais tu fais exprès, t'es vraiment nul. Encore des balles là. Vas-y. Mais le pire, c'est qu'on a tous une personne en tête. On a tous un pote ou une pote, quoi. Bien, on se sent tout simplement visé. C'est long. On va reprendre. Prends tout ce que j'ai, c'est bon. Oh, tu régales le sein. Mais tu régales le big sein. Hein, Olaf, tu ré. J'arrête de flop. T'as pas encore des balles? Non, vas-y, c'est trop. T'es quoi, je joue même plus avec toi, c'est bon, hop, je me casse. Il va se suicider. Vraiment, avant, donne-moi ton stuff quand même. What? Mais il y a un mec là, mais vas-y, faut le tuer. Non, c'est pas comme ça qu'on fait, regarde. Mais donne-moi ton stuff. Ça, je like. Ça, c'est drôle. Trois skins bannis définitivement de Fortnite. Quoi? Il y a des skins depuis quand qui sont bannis de Fortnite? Un Travis Scott. Il est. Quoi? Toujours disponible sur le jeu, mais il ne sera plus jamais dans la boutique. Pourquoi? À cause des problèmes qu'il a eu notamment à son concert qui a provoqué plusieurs morts. What? Je savais pas ça. De Will Smith. Il est aussi toujours jouable, mais pareil, vous ne le verrez plus jamais dans le shop. Tout simplement parce que la gifle qu'il a mis en pleine cérémonie des Oscars. On va les réfléchir à deux fois. Hein? Mais juré. Non mais c'est source sûre parce que Waz, je pense pas qu'il va mentir, mais Waz, wesh, quel bail. 3, le skin super-héros. Celui-ci peut revenir en boutique, mais pas sous deux versions qui, elles, sont bannies à. Pourquoi? La première, c'est le super-héros en tout blanc, et l'autre, c'est le super-héros en tout noir. Pourquoi? C'était considéré par de la triche par Epic Games, et il a d'ailleurs été interdit longtemps en compétition à cause de ça. Tu savais quoi? Bref. Ah, j'avoue, parce que vu que le skin, bah, il peut trop se. Se. J'ai envie de roter. Ah, il était bizarre lui, pardon. Trop à l'aise, désolé. J'ai entendu dire, ouais, je pense qu'il peut. Tu peux te morfondre. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon terme. Tu peux le confondre, c'est le confondre. Bravo, Choco. Tu peux le confondre. Ah, ça, c'est ça le fait d'avoir arrêté l'école. Quels sont les 4 skins les plus rares de Fortnite? Vas-y, Zedfar, dis-nous, c'est quoi en les 4 skins? En première place, on a l'aérostier. C'est un skin. Wesh, je le connaissais même pas. Skin qui date d'avant le premier pass de combat. Et d'ailleurs, vous pouviez l'acheter dans la boutique après avoir atteint le niveau 15. La dernière fois qu'il a été vu dans la boutique, c'était il y a 1897 jours. Ah ouais, je vois c'est quoi. En deuxième place, on a la Renegade. La Renegade, ah ouais. Il date d'avant le premier pass. La Renegade, elle est grave connue. Vous pouviez acheter. Elle est rare, mais elle est super connue. C'est ce skin dans la boutique après avoir atteint le niveau 20. Mais il est moins rare que l'aérostier parce que plus de joueurs ont voulu l'obtenir. En troisième place, on a le skin Galaxy. Ce skin était disponible à partir de 2018. Je me souviens, il était venu, pourquoi je l'ai pas acheté? Uniquement pour les joueurs qui achetaient un téléphone Samsung et il a vite été remplacé par le skin Glow en 2019. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucun moyen de l'obtenir. Quoi? Mais à un moment, non, la tête, je l'ai déjà vue dans le shop, non? Ce qui lui donne sa troisième place dans le classement. En quatrième place, on a le Force Spécial. Mais lui, je le vois grave de fou. C'est un skin qui est sorti pour la première fois il y
y a 1891 jours et la dernière fois il y a 1442 jours. Cela en fait un des skins les plus rares de Fortnite car très peu de joueurs l'ont dans leur casier. Bref, si t'as un... Mais en fait, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais pas du tout, je suis la seule ou pas? Dans les commentaires, je vais lire ce qu'ils disent. Il est ressorti... Voilà, il est sorti aujourd'hui, force spéciale. Vas-y, ouvre. Y'a quoi dedans? Ah. Mais non, mais moi, je voulais voir le truc. Arrête. Non. Non. C'est parce que je crois que c'est trop... Ça, c'est trop satisfaisant et j'en ai des petits frissons. Pas des gros, mais des petits. Je connais ton adresse, si tu meurs avant de faire top 1, je viens te tabasser. Mais ça va pas? Adresse, si tu meurs avant de faire top 1, je viens te tabasser. Allez, vas-y, on va voir ça, mon gars. De spam, j'en ai marre, Optimal, vini où là? La fesse droite. Mais il est malade, genre. Wesh. Couche panier, ou on pose un p... Wesh, il a un style de fou. Ah, vas-y, fais se battre, on va se battre. Il croit Internet, c'est la vraie vie. Maintenant, on va voir, vas-y, on va voir. Les gens, ils parlent, ils viennent pas. Je lui donne une adresse, il vient pas. Wesh, c'est quand tu viens là, je t'attends là. Mais, les shorts, c'est trop drôle, désolé, mais il y a des shorts, c'est trop drôle. Ah, vas-y, ça répond pas. Je vais faire une petite séance en attendant, tranquille, en chill. Ah. Allez, sympa. Eh, mais la chute, elle est où là? C'est quand qu'il va s'en frapper? Non, enfin, c'est pas du tout. Non. Alors, non, les gars, c'est... j'attends pas du tout qu'il se fasse frapper, j'ai pas dit ça. Si j'ai dit ça, mais c'était pas ce que je voulais dire. Ah, t'as cru que j'allais pas venir? Ouais, mort en hein? Tu parles, tu couches pas, Niel. Avec qui j'arrête de frapper? C'est quoi ça? Quoi, ça? C'est lunaire. Non mais j'ai vraiment... Oh mais... Oh hey, la tête d'homme, c'est trop une dinguerie. Je préchote les mots ou les moves des choses que je vais voir. Et la tête que j'ai pas vu ces shorts, je les découvre comme vous. Entre le... Et le c'est quoi ça qui dit juste après c'est quoi ça? Je comprends pas. Je suis... Pourquoi il y a des poils de chat? Fortnite avant VS maintenant. Est-ce que je préfère l'ancienne barre des points de vie qui était en plein milieu de l'écran? Ou est-ce que je préfère l'actuelle qui est un peu... Bah perso moi je préfère maintenant. Plus moderne. En vrai quand il y a eu le changement j'étais assez perplexe. J'étais pas trop fan mais maintenant je pense que je pourrais plus m'en passer. Du coup je dirais l'actuel. Bah oui. Dilemme, est-ce que je préfère le bleuvage violet comme au début? Ou est-ce que je préfère le bleuvage légendaire comme on a connu récemment? Bah en vrai de vrai, là je peux pas dire. Celui en légendaire est juste incroyable, il était trop cheaté. Du coup bah je vais le prendre parce que je peux pas m'en passer. Est-ce que je préférais l'ancien chargement bleu qui a marqué... Ah en vrai dans les commentaires vous en pensez quoi? Mais moi personnellement... Je trouve que certes, celui de maintenant, il est trop beau, la page d'accueil est trop belle, mais celui d'avant, c'est ça, c'est nostalgique je pense. T'es nostalgique de cette époque-là, et même c'est neutre soft, y'a pas trop de détails. L'histoire de Fortnite, ou est-ce que je préfère l'actuel qui est plus design? Alors là, c'est mon cœur Doji qui va parler, et franchement, le premier chargement ouais. Avec l'ancienne musique, genre celle-ci, ça me donne des frissons carrément, donc je prends l'ancien. Et pour terminer, j'avoue. Est-ce que je préfère le mode arène comme avant, ou le mode classé avec tous les rangs qu'on connaît? Et bah dire avant. J'aurais dit le mode arène parce que ça me manquait, mais maintenant que j'ai découvert un peu plus le mode ranked, je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est plus sympa ah ouais sa progression avec des rangs. Bref. Moi j'ai liké. D'ailleurs il m'a fait penser à quelque chose. J'aimerais remercier toutes les personnes, les dernières personnes qui se sont abonnées à cette chaîne secondaire. On arrive bientôt à 500 000 abonnés. Donc j'aimerais vous faire un gros big up, un gros cœur. Et vous vous affichez à l'écran. Voilà les dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne avec leurs abonnements en public. Si vous aussi vous voulez paraître à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche. Et voilà. There might still be hope. Ça veut dire quoi ça déjà? Oh y'a un squelette qui veut faire un câlinou. C'est trop mignon. Oh non. Mais y a, ça existait pas ça sur Fortnite ici? Y'a un skin squelette dans les commentaires? Oh c'est trop mimi, je vais faire un câlin moi aussi au squelette. Oh non, il a l'air trop gentil. Oh bichette. Hein? Je comprends pas trop ce qui se passe là. Hein, il se casse pas. Il casse rien du tout. Mais ils font team là. Non, il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Oh non, ils pleurent les deux. Il y a squelette qui pleure. C'est trop mignon. Oh, il va suicider. Mais il veut pas le laisser mourir. Oh non. Et du coup, il est mort. Oh non. Bon, j'y vais. Okay, okay. Non, non, on a dit Fortnite. On a dit Fortnite, madame.
Shorts Fortnite. Est-ce que tu as la Renegade Raider? Voyons voir. Alors Oh mince alors. Je pense avoir une petite idée. Bon, je pense que ça, ça peut le faire. Voyons voir si on peut avoir la Renegade Raider à l'intérieur. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir et on... Mais non, tu peux pas l'avoir. On commence directement avec Sky. Oh, Slurp, monsieur Slurp. Oh, juste ici, on a un spray lama, la sorcière. Oh, let's go les gars, le chevalier noir, monsieur Glace. Je suis trop investi là, mais il va pas l'avoir. Oh, le taximan et... Oh! Abonne-toi si t'as envie d'avoir la Renegade Raider dans ton casier Fortnite. Mais du coup, il l'a pas dans son casier. Je me baladais dans mon casier quand j'ai vu ce sac. Et apparemment, le sac compte ton nombre de kills. Bon, j'y crois pas trop. Quoi? Mais on va quand même essayer. Eh, si c'est fake, j'ai juré, j'ai trop le seum. Désolé, pied, mais aujourd'hui tu. Non, y'a pied! Mais attendez, quoi? Comment ça? Non, mais attendez. Et je l'ai vraiment appelé pied, genre, si je vais péter un câble. Comment ça, y'a un hamster sur Fortnite et je n'étais même pas au courant? Et en plus de ça, il est rose! Désolé, mais patineur, je crois que je vais te tromper. Avec pied. Enfin, bizarre de dire oula. Tu viens pas avec moi. Ok, là, je crois qu'il y a quelqu'un. On va tester si le sac marche. Là. Ah ouais, donc ça met bien sur mon sac un kill. C'est incroyable. Ok, là, mon objectif, c'est de faire minimum 5 kills. Ok, là, il y a un gars. Non, mais ça marche vraiment? Oh, mon shoot, il est terrible. Ah, j'avoue, c'est stressant. Ton shoot. Ah ouais, ça met bien 2 kills. Ok, c'est parti. Ah, mais c'est trop stylé, ça, par contre. Je mange uniquement des aliments présents dans Fortnite pendant 24 heures. Ah, ça, j'aime trop ce genre de vidéo. Oui, vous me jugez peut-être, mais je m'en moque. Moi, j'aime trop ce genre de vidéo. C'est quoi ça? Des petites clomberies. En effet, acidulé, par contre. Mini potion bouclier, elle est pas trop stylée, les gars. Ah, oh, j'ai trop envie de faire ça. Non, j'avoue, c'est stylé. J'ai la mauvaise surprise de voir qu'il y avait des piments dans Fortnite. Oh, les plus petits avec les petits... Comment ça s'appelle, là? Les petits pépins, c'est ceux qui font le plus mal. Oh, mais je sens l'effet. Il est pas magnifique, les gars. Mais est-ce qu'on mange ça? Ah, pardon, désolé, mais ça me dé... Du savoureux. Bon, apparemment, c'est hyper rare. Genre, c'est le champignon doré, les gars, là. Bah non, en fait. Je vous présente le dur burger, les gars. Ah, c'est stylé. Incroyable. Mmh. Ah, je suis touché, les gars. Je suis touché. S'il vous plaît. Ah, du bleu. Non, vas-y. En vrai, il a de l'imagination. Je relike. Désolé. Je relike. Le filtre, c'est pour m'abattre. Carrément, je le connaissais pas. Attendez, je vais regarder son profil. Carrément, je vais m'abonner à son compte, j'aime beaucoup. Ok, j'ai envie de regarder ça. Alors ça, j'aime trop quand c'est smooth comme ça. Oh là là. Là, ça va être ça. C'est quoi ça, Keoni? Choco et Tobias en couple, votre avis? Wesh! Mais attendez, c'est Choco quoi? Choco et Tobias seraient en couple et ça aurait été validé dans la dernière vidéo de Choco et je t'en parle dès maintenant. Ah! Quoi? Mais n'importe quoi, j'ai jamais dit ça! En effet, ça fait quelques temps qu'on voit énormément Choco et Tobias traîner ensemble sur les réseaux ou que ce soit dans la vie privée. Et sauf qu'il y a eu cet extrait dans la dernière vidéo de Choco et je te le mets directement. Il y a plus que l'amitié avec Tobias. Bah, au pire, moi je propose qu'on l'appelle. Si c'est quelque chose d'amoureux, il va dire coucou. Mais n'importe quoi! Oui, oui. Voilà. J'ai des choses à vous dire, écoutez bien. Oui, enfin, ouais, je le sens, c'est du quoi? Exact. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'ils sont en couple ou est-ce qu'ils sont réellement amis? Cette partie de vidéo, je l'ai coupée justement au montage de la vidéo. Genre, une fois que la vidéo a été publiée, j'ai reçu plein de commentaires en me disant « Mais c'est bizarre, pourquoi t'as supprimé ?» Même des messages sur Insta et sur Snap. Mais en fait, je l'ai supprimé parce que justement, il y avait trop de questions. Genre, c'était encore pire. De base, je reçois énormément de messages par rapport à Tobias et moi. Mais là, c'était encore pire avec cet extrait de vidéo. Alors que Tobias, du coup, il est en train de troll. Donc je me suis dit, bon bah là il y a trop de rumeurs, je vais essayer de faire taire les rumeurs, j'ai supprimé le segment de la vidéo. Sauf que c'est encore pire parce que du coup il y a encore plus de TikTok et de vidéos en mode bah c'est super bizarre, tu vois Choco elle a supprimé le moment donc c'est sûr que c'est vrai. Attendez, regardez les commentaires, ils disent quoi? En vrai je pense qu'ils sont juste potes, en couple. Ils sont en couple, c'est sûr au moyen des sentiments. En vrai je pense vu que les deux sont blagueurs, ils doivent s'appeler comme ça pour rigoler après. Mais oui, je pense qu'ils sont juste potes car sur les lives de Choco ou même de Tobias sur GTA RP, Tobias appelle Choco sa femme mais c'est un délire. Mais oui, voilà, en fait... Après, je peux comprendre en vrai qu'il y a des trucs en mode ouais bizarre, mais je vous assure, si un jour il y a... Enfin bref, je vous dirai. Les gars, s'il se passe quelque chose avec quelqu'un, je pense pas que de base je vous l'aurais dit. Mais bon, sur la vidéo de Choco, il n'y a plus le moment de l'appel. Mais oui, vous voyez. Ouais, voilà, après, je vous laisse en juger dans les commentaires. Je vous laisse en débattre parce que peut-être que, voilà, il y a peut-être des choses que je vous cache. Mais bon, je vais vous laisser avec Olaf. Je vais lui manger sa carte. Oh, oula, c'est super bizarre. Non. Bon, les Choco Pops, je vais vous laisser. Je fais plein de gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Choco. Grrr. Pa. 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 Ziak.
Personne qui n'a pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter, ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.